tey ñu ngi fi pas sant de walo li ñuy waxe li ñuy wax novembre bleu pour activité bi nga xamanteni ñing ko jaglel jigeen ñi ak xalé yi nga xamanteni ñi ngi am 9 ba 14 ans pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus HPV boko dalé ci walu mag ñi ñom dal lañuy defal dépistage cancer du col de l'utérus dañuy wo mbokk gën gi neew yépp pour ñu ñëw dañ xamalé commence nañ journée bi fi ci walo di xamné agent yi yexi nañu population ba lañuy xaar ñu ñëw pour ñu mëna def liggéey bi parce que nek na activité bi nga xamanteni activité bu am solo la ñi ko bëggoon def ci mois d'octobre bi mais mbiri dafa xaton lool motax ñu and ko ci octobre ci novembre bu la bi pour mëna dimbali population gin gi neew ci walum xexum cancer du col de l'utérus jërëjëf voilà pour ñaq yi cancer du col de l'utérus ñu xolé légui ci jamono ji gis nañ ci Sénégal ñi mi ray bari na presque 1200 femmes dans les ray par année donc lolu c'est un problème de santé publique motax ñu ni nañu jëma ñak xali yi nga xamanteni amna 9 ba 14 Assalamu alaikum man la docteur Abdoulaye Dia man may jité district sanitaire bu Nguingui Néw donc ñëwon fi tay féké journée bu ñi nan journée de dépistage gratuit concernant le cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ñu couplé ko ak vaccination HPV c'est les jeunes filles de 9 à 14 ans en même temps aussi défa les sensibilisation sur la vaccination
COVID-19. Comme nous le savons, vaccination COVID-19, normalement, avec la variation, nous savons, virus, nous mettons ou nous changeons. Donc, maintenant, 6 mois, nous devons renouveler notre dose. Donc, cela aussi, vraiment, nous devons nous faire pour que nous devons nous faire des affaires. Si di nuyu di sante vraiment jambar yu ma fi fek district bi nga xamne moy ngingi new moy ICP yi sage famille matroni ñepp dal buñu limé rek ñu joom ba jenn gox yi relais yi tous les agents du district sanitaire de ngingi new donc vraiment li lu rafet la li dafa fek ni octobre lañ ko warona def mais malheureusement wa région direction régionale de la santé, nous avons envoyé quelques intrants, mais il faut faire que octobre bi passé. Mais douter, même si nous passé aussi, douter, comme que ce sont des activités, nous savons que nous devons faire à tout moment, nous devons faire novembre bleu. Nous devons faire un poste de santé, nous devons faire un poste de santé communal, urbain, de Walo. Et nous devons faire aussi, ils n'ont pas hésité. Moi, infirmier chef de poste, bi, sage-femme, bi, ak ñi nga xamné même poste de santé farabou ñom ñep dañoo bolo pour que vraiment réussite affaire bi réussir donc vraiment di sante di gërem content en tout cas je suis très 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 content parce que ce matin quand j'ai fait un petit briefing j'ai envoyé quelqu'un mais il m'a dit que la bâche bi kenn neko fa j'étais complètement découragé j'ai appelé Béa j'ai appelé Mati j'ai appelé Seydina bon ils m'ont rassuré ils m'ont dit que les gens sont là. Et moi, quand je suis venu, j'ai vu qu'au niveau de la bâche, il n'y a personne. J'étais vraiment découragé. Mais quand je suis entré, je suis vraiment soulagé. Et là, aujourd'hui, on est à presque 18 heures. Mais ben, là, nous sommes tous les gens qui ont déjà regardé. Donc, le centre de Grum, vraiment, le poste de santé de Walo, le CDS de Walo, tous les relais, les badjenougok, les acteurs, qui ont déjà regardé Walo. Donc, vraiment, le district aussi, surtout le centre de santé, di len gërem di len sante parce que vous avez été dans un apport extraordinaire parce que mënon ngeen tok mais yeen ñëpp vous êtes mobilisés pour que mu nekk une réussite totale bo xamné li ndamu district bi la walo mo am ki bi mais presque ndamu district bi la vraiment secrétaire exécutif monsieur Samb ñi ngi gërem di sante CDS Walo et on n'a pas regretté pourquoi on a choisi le poste de santé de Walo pour que ñu mëné ces journées de dépistage yi nga xamné chaque année dañ koy def té inshallah rabbi li niñ ko défé tay walo wo deewen inshallah chaque année dinañ jéma xol du ben poste rek on va faire maintenant 3 postes wala 4 postes yo xamné dañ koy sioné ci mois d'octobre bi ñu def vraiment on en tour de rôle pour que ñepp mën ci jot parce que amna ay population yo xamné peut-être ñu ngi ay mboss ñu ngi ay daara mboss ñu ngi ay mbulu ñu ay panal wala ñu ngi ay congoli yo xamné ñom tamit bëggon nañ def affaire malheureusement amuñu ki bop donc di gërëm di sante aussi le point focal POV gis nañ communication yi ñu def gis nañ aussi EIPS bi moy Seydina effort yi mu def donc buñu limé rek dañuy joom di sante ñep coordinatrice yek moy maîtresse sage femme bi yeen ñi nga xamné acteur yeena fi nek vraiment on n'a pas des mots surtout mention spéciale à le Béa et à Maki parce que ñom tamit gatché ngalam di sargal aussi toutes les sages-femmes du district tous les infirmiers du district tous les agents du district buma waxé agent nak bayuma kenn donc vraiment li la amone lumay wax té même tay ay 14 heures yoy wa région sa jaar nañ fi lolou moy woné né importance activité bi région envoyé nañ on Saliou Camara donc madame Ndaw sa sank wonama envoyé na len les images et les photos ils sont extrêmement ravis et contents. Donc, encore une fois, c'est toujours si on continue à faire ça, c'est le Guinguinéo qui gagne. Et le district de Guinguinéo, ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est notre indicateur. Si on veut dire revue, si on veut dire, c'est PF, non, c'est SR, c'est POV, c'est paludisme, c'est communication, c'est tout ce que vous savez, nous faisons un genre de compétition à travers les autres districts comme Guinguinéo qui gagne. Donc, vraiment, encore une fois, merci à tous, merci à toutes. Et nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, d'ici peu, pour d'autres activités. Et Inch'Allah, on en profite pour lancer un appel. Il y a 15 sages-femmes qui vont être formées. La semaine du 27 au 2, sur les SUNIP.
Donc, on va essayer de choisir des sages-femmes en collaboration avec la maîtresse et la coordinatrice SR. On va choisir quelques sages-femmes parce qu'il y aura 5 au niveau du district, du centre au niveau du centre de santé et 10 hors centre de santé. Donc, on va voir aussi parce qu'il y aura des infirmiers qui n'ont pas de sages-femmes. Donc, on va essayer de voir comment faire vraiment pour faire une sélection d'ici lundi pour qu'on envoie la liste. Et Inch'Allah, c'est une formation de 6 jours, du lundi au samedi. Inch'Allah, c'est Enabel qui a financé ça. Et il y aura les facilitateurs de la région, à savoir le docteur Bahoum, avec la SSI Madame Djeju, il y aura aussi Madame Daou, avec on appuie au niveau local. Donc, Madame la maîtresse va nous appuyer encore concernant vraiment cette formation. Donc, pour dire une chamalnerek, Inch'Allah, il y a de belles perspectives. Aussi, Wahnako Dembo, la coordinatrice SR, surtout, moi, affaire ou planification, moi, PF. Le deuxième type planification familiale, moi formation, moi activité, moi activité de communication. Faites-moi un plan d'action. Il y a un partenaire qui va nous financer sur ça et on va essayer d'organiser ça et vraiment que nous ayons des compétences sur toute la planification familiale. Agyenen. Donc encore une fois, remercier tout un chacun et vraiment merci. J'ai pas vraiment des mots. Si j'avais d'autres mots, please. Important que merci, j'irai le dire quoi. Donc merci à tous, merci encore une fois, merci. Vraiment omis ça. Mais ni ñi xamné dépistage bi du ay organiser nañu rek ñu né tay la journée. Non. Dépistage bi dafa melni comme consultation. Heure bo démé poste de santé, muy n'importe quel poste de santé, n'importe au niveau du centre de santé. Heure bo fa démé, gaay dinañ la défal dépistage. Dinañ la défal dépistage, dinañ la défal traitement bi aussi c'est sur place. Traitement bi on le fait au niveau du centre de santé. Boudé amna lo xamné jangor bi ñu koy gis sa kanam. Bo ñëwé centre de santé amna ben équipement bu fa nek bu thermo ablation bobu dañ la koy défal mu fajj ko sans pour autant que ngay dem fi ay Dakar ay Kaola. Donc vraiment lolu aussi nak ci nit ñi xam lolu ñu xamné affaire bi du bay rek bañu naan ay dañuy organiser journée gis ngeen tay nit ñi nuñu béré mais nuñu béré ni képp ko xamné gisunu ko fi tay mën na demat ñëwaat fi baya gis ko wala mu dem centre de santé wala mu dem ci yenen poste de santé. Donc vraiment merci encore une fois, merci. Waaw man la Wali Sam, secrétaire exécutif poste de santé bu walu. Waaw sante yalla vraiment li dal na xel parce que ci suba binu ñëwé di sogo installer nit ñi xawon nañ tit mais binu togué ba mu gën na gis nañ ni nit ñi jox nañ ko importance bo xamni jigen ñi ba fi may wax ak yow ni nga xamni les presse 19 jigen ñangi fess ci biir mënagun jeex pour won la ni jox nañ gëdde yeuf yi di profito aussi de l'occasion di gëreum suñu ICP suñu sage femme ak ñinu andal ci poste bi sen taxaway rafet na wax deug yalla ñu nit CDS ñu sawar lool accompagne len di gërëm aussi sama adjointe di Adji Adama Gueye mo fi néwon ak ñom man ci ngon gi lay soga ñew légui bima ñëwé laj ko ñu ni dalu na kër ga dalu ji di gërëm aussi suñu trésorier CDS Njambe ñu gën ko xam ci Moussa Bey di gërëm aussi Jeen Ndaw nga xamni moy trésorier adjoint ak ñepp ñi japp ci liggéey bi di wax ni CDS rôle am li rek la moy accompagner équipe médicale bi ci seni soxla lu jëm ci askan bi lolou moy bis bi tay motax ñuy gëremat encore une fois ñom Mati ak équipeam muy ICP bi di ñaan yalla yenen yu melni topat ci parce que suñu raison d'être moy askan bi askan wé tax ñu tok fi donc askan woow tax ñu tok fi lepp lu ñu man ci jappalé len ci seen walu wër gu yaram da nañ ko def ci action bi bokk na ci lolou parce que kune xamna cancer de l'utérus ni muy ravager ci sunu société yi limuy lor ci ay jigen ken xamul num toll donc bu namé opportunité bu melni ñu défé ko fi ci sunu poste dañuy sante yalla tay ñaan yenen ak yenen top ci waaw man la Wali Sam, secrétaire exécutif poste de santé bu walu waaw sante yalla vraiment li dal na xel parce que ci suba binu ñëwé di sogo installer nit ñi xawon nañ tit mais binu togué ba
mu gën na gis na ni nit ñi jox nañ ko importance bo xamni jigen ñi ba fi may wax ak yow ni nga xamni il est presque 19 jigen ñangi fess ci biir mënagun jeex pour won la ni jox nañ gëdde yef yi di profito aussi de l'occasion di gërem sunu ICP sunu sage femme ak ñinu andal ci poste bi sen taxaway rafet na wax deug yalla ñu nit CDS ñu sawar lol accompagner len di gërem aussi sama adjointe di Adji Adama Gueye mo fi newon ak ñom man ci ngon gi lay soga ñew legi bima ñewé laj ko ñu ni dalu na kër ga dalu di di gërem aussi sunu trésorier CDS Njambe ñu gën ko xam ci Moussa Bey di gërem aussi Jeen ndaw nga xamni moy trésorier adjoint ak ñepp ñuy japp ci liggéey bi di wax ni CDS rôle am li rek la moy accompagner équipe médicale bi ci seeni soxla lu jëm ci askan bi lolu moy bis bi tay motax ñuy gëremat encore une fois ñom Mati ak équipeam muy ICP bi di ñaan yalla yenen yu melni topati parce que sunu raison d'être moy askan bi askan wé tax ñu tok fi donc askan woow tax ñu tok fi lepp lu ñu man ci jappalé len ci seen walu wër gu yaram da nañ ko def ci action bi bo commencé di wax ni rek ñi di gërem gu amul app le médecin chef du district de Guenguenew monsieur Diakh parce que li lepp bo amé yalla ak mama mo tok choisir le poste de santé de Walu pour mo abriter journée bi muy dépistage du cancer du col de l'utérus donc tay bu amé réussite il faut ñu gërëmé koko mom ak équipeam bi mu andal wax deug yalla parce que taxawayam momit rafet na ci dëkk bi gis nañ initiative yu bari yu mu entreprendre ci développer les prestations de santé fi ci sunu dëkk donc vraiment c'est une occasion pour ñu rendre ko hommage gërëm ko ñaanal ko sunu borom mebet yi mu am ci wergu yarmu askan yi fi ci Guenguenew yalla may ko katan gum ko motale donc lolu vraiment munu mako ñak wax di gërem di sante merci beaucoup assalamu alaykum man la Maté Diouf man ma ICP fi ci poste de santé de Walo district bu Guenguenew journée mom nima ko gisé xana am ci satisfaction rek contenté bu baax ndax le fait que docteur choisir poste de santé de Walo rek lolu reuy la ndax poste de santé yi beul nañ fi mais def né initiative fi la koy commencer wax deug ñukoy rafetlu bu baax nak wa di rafetlu bu baax tamit le fait que né cancer mom gis ngeen nimuy defé ay ravages ci monde bi ba paré te buñ ñu ko télé dépister mën nañ ko télé jël en charge ak vaccination xalé yi nga xamantene tay buñ len vacciné dina len ar ci fièvre bi lol dal mom am nañ ci contentement bu baakha baax wa jigeen ni dafa len wax rek ñom buñ ragal ndax jangoro bo gis rek amna luñ koy safara té jangoro bi nek na lo xamantene bo télé def dépistage buñ ko télé xam mën nañ la télé jël en charge mais bo togué dama ragal tok jangoro ji di law sa yaram bu yagge dana dem ba dootuñ ko mëna té fajj mu indi ay lorangé yu bëré nda té la ñëw bi dal mom moy li gën dal wa xamna mom mënu ñëw matal ñëpp mom ndax bu gis nga presque 20h jonne la té nit ñang ci ba légui dañuy dem rek ak suñu entrant wa fu ki rek ndax gan ñi tam dañoo wara déllu waat seen kër wa xamna mom ñëpp lañ mëna jël mais après benen yoon dañuy dem centre de santé wa buñ démé centre de santé dañ leen xol fofu inshallah wa sama yeneen collègue mom def ma lu contane ci ñoom dama contane bu baaxa baax ndax wote ñu wuyisi la dafa neex te ñoom ñepp japp nañ ci événement bi ñoom ñepp ñew te ñoom ñepp tel nañu ñew wa deug na may contane ci ñoom bu baax am ñu seen fay yalla rek mo leen mëna fay wa appel may lancer moy fami nañu gëna def seen dépistage nañu téla dem def seen dépistage té ñu indi xalé yi nak xalé yi am 9 ans ba 14 ans ñu ñekku ndax mom mo leen di aar ci fièvre bi ndax tay ñun suñu jamono ki amuton ñek amuton tay gis nga kon xam nga ñun mënu ñoo aaru ci ki bi dépistage rek lañ mëna def légui na xalé yi nga xamné am na 9 ans ba 14 ans
té yalla téré xalé bobu ñakkuul gis morom yépp ñakku yalla téré mu doon dem ba doon mag tay ji fièvre bi dal ko dina mëne yaay lutax yobbu wama won ma ñakku té loolu kon ak gu reey la té ku sañoon nga tok ba sa doom téral la yobbu